Créons à présent notre première table de mouvement, la table de mouvement vente. Pour créer cette table, nous cliquons sur l'onglet « Créer », puis dans le groupe « Table » sur l'icône « Création de table ». Dans le mode « Création de table », nous entrons le nom de l'unique champ de notre table, numéro vente, son type numéro auto, et cliquons sur l'icône clé primaire du groupe outils de manière à ce que Microsoft Access comprenne qu'il s'agit de sa clé primaire. La création de notre table étant finie, nous allons cliquer sur la petite croix qui est là, puis sur « Oui » pour enregistrer toutes les modifications apportées. Entrez un nom, « Vente » et cliquez sur « OK ». Nous avons vu dans ce tutoriel la création de la table de mouvement « Vente ».